Bonjour à tous, alors une petite vidéo coup de cœur aujourd'hui sur un livre un petit peu, on va dire atypique, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de lire et c'est ce qui fait un bien fou. Donc il s'agit de Tout va bien mon lapin de Didier Paquignon qui est édité aux éditions Le Tripode. Voilà, donc une magnifique couverture qui annonce en fait un peu la couleur de ce qui va se passer à l'intérieur. En fait, l'auteur est un artiste peintre, donc vous retrouvez à la fois ses œuvres et en même temps il est passionné de faits divers. Alors comme je suis également passionnée de faits divers, forcément j'étais très attirée par ce livre. Et en fait il collecte les faits divers. Alors le fait divers, c'est vrai que pour moi c'est vraiment un miroir sur notre société. C'est le reflet de l'homme, de la société, de notre manière de vivre. Alors c'est un reflet qui peut des fois être très drôle, et croyez-moi, on rit bien à lire certains faits divers, mais qui est également parfois pathétique ou qui peut faire un peu peur, et en tout cas qui interroge beaucoup sur notre société, puisque finalement les faits divers, c'est ni plus ni moins que monsieur et madame tout le monde, et c'est de voir, hein, c'est vraiment, c'est ça, c'est le reflet de l'être humain, le reflet de la société. Et alors ce que je trouve vraiment génial dans ce livre, qui en fait est le deuxième, hein, il y en avait déjà eu un précédent, c'est en fait comment l'auteur met en parallèle le fait divers et son œuvre, comment il l'interprète. Et je trouve que voilà, c'est vraiment très très beau. Je vous montre quelques-unes de ses œuvres, hein, que vous retrouvez à l'intérieur du livre. Je prends un peu au hasard, hein, et je trouve que c'est intéressant de regarder en fait ce que nous raconte le fait divers et comment lui l'interprète à travers son œuvre. Vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un livre que vous pouvez lire et relire parce que je pense qu'il y a différents niveaux de lecture. Et puis également un livre que vous pouvez sans hésiter mettre sur la liste de Noël et offrir à vos proches parce que je pense qu'il fera plaisir à beaucoup de monde, tant parce qu'il est beau, parce qu'il est intéressant et puis parce que je pense que ça s'adresse un peu à tout le monde. Voilà, comme ça concerne les faits divers et nous finalement. Et ben, je pense que ça peut, voilà, ça peut intéresser tout le monde. Donc je vous rappelle, Tout va bien mon lapin de Didier Paquignon aux éditions Le Tripode, voilà, que je vous recommande vivement. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt pour un autre coup de cœur.